Culture. Vous nous ouvrez les portes des galeries d'art, des salles de spectacle, des salles de cinéma, là où ça se passe, Lida Tamdari. Absolument, donc on va aussi revenir, puisque nous entamons le mois de juin, déjà le 2 juin, aujourd'hui, donc il sera question également de l'enfance, des droits de l'enfant, c'est le mois aussi des droits de l'enfant, donc il y a pas mal de rendez-vous qui vont se faire déjà. Le musée maritime d'Alger qui abrite des ateliers dédiés aux enfants, à la découverte de la mer, à la découverte des secrets de la mer. Un monde merveilleux. Donc, le monde merveilleux et mystérieux. Ouais, aussi, Dieu sait que les enfants sont toujours curieux. De la mer, exactement. Donc on va revenir sur tous ces musées qui vont être vraiment pris par ce phénomène. Et puis nous avons également le théâtre et notamment le théâtre amateur qui ouvre ses portes, donc à Mostaganem. Nous allons revenir avec notre monsieur théâtre Alger Chain 3 avec Sidali Fares qui est donc sur place et qui reviendra donc sur le festival amateur qui revient en force. Et puis nous aurons également à revenir sur ces journées liées au cinéma et à la réalisation. C'est à Sidi Bel Abbès, une très belle rencontre autour du cinéma. Et l'ouverture se fera aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup d'hommes de culture, d'art, de réalisateurs qui sont déjà au niveau de Sidi Bel Abbès, avec notamment des rencontres avec Belkacem Hedjedj, Abdelkrim Tazarout, Brahim Hedj Slimane, Azdine Abbar. Donc ce sont aussi des personnalités du monde de la culture et des arts. Vous avez aussi Lemis Saïdi, Inam Boyoud, Ismail Ibrir, donc qui seront aussi présents, Rida Domaz et Abdelghani Mahmoudi. Tous seront au niveau de la ville de Sidi Bel Abbès pour revenir sur ce monde, le monde du cinéma. Et on va avoir plus de détails tout à l'heure. À tout à l'heure, Linda.